Où sont passés les enfants? Tata Trudy devrait arriver d'une minute à l'autre. Tony, dis à tes frères et sœurs de nous rejoindre. Tout de suite. Ouais, d'accord, maman. Oui. Voilà, personne ne pourra faire sauter ce cadenas. Parfait, elle ne pensera pas à chercher dans le conduit d'aération. Vas-y, petit ordinateur. Efface, efface, efface. Quand votre crise de paranoïa sera terminée, rejoignez-nous en bas. C'est pas de la paranoïa, on agit tout à fait normalement. Tata Trudy est la personne la plus indiscrète de toute la planète. Oh. Ouais, c'est vrai, c'est une fouineuse professionnelle. N'importe quoi, Tata Trudy n'est pas une fouineuse. Elle est curieuse et elle s'intéresse énormément à nos vies, voilà tout. Je me souviens très bien de la dernière fois qu'elle s'est intéressée à ma vie. J'appelais une pom-pom girl pour lui demander de sortir avec moi et elle a tout écouté. Ouais, mais peut-être qu'elle était inquiète pour la pauvre pom-pom girl. Oh, ça y est, la voilà. Oh, tu peux aller ouvrir, Cal. Moi? Mais enfin, pourquoi? C'est ta sœur, non? Oh. Bonjour. Oh, tata Trudy. Ah bah, je vous en prie, entrez. Salut, salut. Où est ma petite sœur, chérie? Oh, mais tu es vraiment resplendissante, ma chérie. J'adore ta coiffure. Tu les as coupées toutes seules, hein? Et cette voiture dehors qui est dans l'allée, c'est à qui? Il était temps que vous soyez enfin augmenté, Cal. Oh, et regardez-moi ces magnifiques petits anges. Bonjour, Tata Trudy. Oh, c'est pas vrai, c'est le petit Tony. Tu sais, je me souviens de toi comme si c'était hier, à l'époque où tu portais les couches pour dormir. Rassure-moi, tu es propre, tu n'en as plus besoin aujourd'hui. Lee, tu veux bien monter la valise de Tata dans la chambre de Megan? Oui, j'y vais. Je vais t'aider. Moi aussi, je viens avec vous. Franchement, Tata aurait pu éviter de parler de mes couches. Sérieux, ça va devenir de pire en pire, alors là, tu peux me croire. Ah, super, la trousse à maquillage de Tata Trudy. Il faut qu'elle la récupère très vite. Oui, si jamais elle découvre qu'une de ses affaires a disparu, elle va se mettre à fouiller partout. Moi, je pensais plutôt à papa et maman. S'ils la voient sans maquillage, ils s'en remettront jamais. Là, je vous serais-tu tenté par un morceau de boudin noir ou une pomme boulangère? Jerry, vous nous avez quand même pas fait venir pour ça? Bien sûr que non. Il y a des choses bien plus importantes que le déjeuner. De plus en plus de gens se retrouvent pétrifiés un peu partout dans le monde. Quoi? Comment ça, pétrifiés? Bah, voyez par vous-même. D'accord. Alors ça, c'est vraiment effrayant. Et là, je parle pas seulement de votre vieux téléviseur tout moche. La situation risque vite d'empirer. Vous devez enquêter sur les lieux du dernier incident, un centre de recherche au Japon. Et arrêter le responsable avant qu'il ne frappe à nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai là quelques gadgets qui pourront vous être très utiles. Tout d'abord, la Wopo boule de neige. Cette petite merveille transforme en glace tout ce sur quoi elle est lancée. Je prends, merci. Marc, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur derrière vous? Bien sûr. Mais c'est quoi ça? Je vous présente l'invisible mur, un champ de force invisible et absolument indétectable que vous pourrez utiliser comme barrière. Et enfin la brume aux fusées, une fusée miniature qui enveloppe sa cible d'un épais nuage de brouillard. Et ceci pendant environ 5 secondes. C'est très pratique si vous avez besoin de semer quelqu'un. On devrait peut-être essayer de viser Tata Trudy. En parlant de votre chère tante, je vais lui restituer son maquillage avant même qu'elle remarque sa disparition. Sur ce, je vous dis au revoir. Comment ça? Il reste combien de kilomètres? Ah, maintenant je comprends mieux ce que vivent papa et maman quand on part en vacances. On arrive dans quelques minutes, Tony. On a juste assez de temps pour faire une petite enquête privée. Voyons si Tata Trudy a déjà commencé à fouiller nos affaires. Mais comment on pourrait le savoir? Facile! J'ai mis une caméra miniature dans une de mes pluches. L'espionne espionnée, et j'adore le concept. Autopilotage enclenché. Eh ben dis donc, elle a pas perdu de temps, on dirait. On a frôlé la catastrophe. Elle l'a trouvé. Trouvé quoi? Mon journal intime. Oh non, tout est fichu. Attends, tu rigoles, on va bien s'amuser. Tu riras moins dans quelques secondes. Cher journal, la mission d'aujourd'hui était vraiment délicate. La mission d'aujourd'hui... Megan, ton journal intime décrit en détail toutes nos missions. T'as déjà regardé le mot top secret dans le dictionnaire? Je pensais pas que quelqu'un d'autre que moi le lirait un jour. Oh, bah ça m'étonne pas. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre chez ces enfants. Alors là, bravo Megan. Si elle le dit à papa et maman, on est fichus. On s'occupera de Tata Trudy plus tard, parce que pour l'instant, on a une mission à accomplir. C'est un triple système de sécurité. Je peux pas le désactiver. Mais il y a un conduit à air comprimé qui va du toit au laboratoire. On peut y accéder? Pas nous, non. Mais Tony est plus petit. S'il arrive à accéder au laboratoire, il pourra sûrement désactiver l'alarme. Et t'en dis quoi, Tony? Pour une fois que ma petite taille va servir à quelque chose. À toi de jouer, prumeau fusée. Montre-moi ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je vois plus rien. Bien joué. Alors là, c'est ce que j'appelle un coup fumant. Système d'alarme désactivé. Vous pouvez entrer. Beau travail, Tony. Hein? Hé, regardez. On dirait un croc géant ou quelque chose dans le genre. Trop bizarre. Je me demande si c'est un rapport avec les gens pétrifiés. J'imagine que ça répond à ta question. Waouh, il doit pas pouvoir respirer là-dedans. La fréquence cardiaque et l'activité cérébrale sont normales. Quelle que soit cette matière, elle l'a parfaitement conservée. Je vais en arracher un morceau et envoyer cet échantillon à Jerry. Oh là là, préparez-vous. C'est une alerte rouge coup de fil de maman. Salut, maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais vous poser exactement la même question. Où avez-vous tous disparu? Eh bien, on voulait faire les magasins pour acheter un cadeau à Tata. Oui, voilà, un cadeau. On rentre bientôt à la maison, hein, c'est promis. Bah bravo, petit génie. Tu peux me dire où on est censé trouver ce super cadeau maintenant? Facile, il suffit de faire les poubelles. Voilà, et un cadeau pour Tata, hein? Dis, ce serait pas un vieux bec benzène? Pas la peine de chipoter, je me débrouille avec les moyens du bord. Allez, rentrons à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait de Monsieur Statue? On l'envoie au WOOHP, ils verront. Je suis contente de vous voir, vous voilà enfin mes neveux et ma nièce préférés. Mais on était seuls nièces et neveux. Bon alors, où étiez-vous passés, hein? Vous étiez partis sauver le monde, peut-être? Si acheter un cadeau à sa tata préférée, c'est sauver le monde. Alors c'est exactement ce qu'on était en train de faire. Oh, un bougeoir ancien, c'est très gentil, je trouve ça absolument magnifique. Content que ça te plaise, mais n'approche pas trop de tes cheveux quand il est allumé. Alors, qui veut regarder un DVD? Alors on a le choix, hein? Une comédie familiale, un film d'extraterrestre et enfin le dernier né des films d'espionnage. Oh, le dernier a l'air vraiment très intéressant. Ah bah tiens. Vous ne trouvez pas, les enfants? Oh, c'est quoi cette sonnerie? Oh si, c'est mon téléphone portable. Je me suis mis une alerte pour qu'on n'oublie pas d'aller ranger les outils qu'on a laissés dans le jardin. Oui, c'est vrai, il faut aller ranger les outils. Allez, venez, on le fait avant de regarder le film. Hello, Spicehead. J'ai les résultats pour vos indices. L'étrange objet pointu s'est révélé être un énorme dard. Attendez, c'est un dard? Mais comment est-ce possible? Ah, ça, je ne sais pas. Et pour épaissir le mystère, la substance que vous avez prélevée est en fait de la cire d'abeille, ultra puissante. Oh, misère! Qu'est-ce qui se passe, Jerry? Il semblerait qu'une étrange créature soit en train d'attaquer une usine toute proche d'ici. Rassurez-vous, on s'en occupe. Donnez-nous seulement l'adresse. T'as la mémoire courte. Papa et maman vont vraiment s'énerver s'ils s'aperçoivent qu'on n'est plus là pour regarder le film. Ah oui, bien sûr. Mais tu vas trouver une excuse, hein? Tu en trouves toujours. Yeah! Yeah! Ah! Yeah! savais, je le savais, je le savais. Oh. Excusez-moi, Cal, auriez-vous un inconvénient? Est-ce que je vous emprunte votre voiture pour aller faire quelques petites courses? Ah mais pas du tout. Tenez, voici les clés et surtout, prenez votre temps. Allez, venez. C'est moi qui trouvais que Tata avait un look bizarre. C'est quoi cette chose? Je sais pas trop, mais peu importe ce que c'est, il faut l'arrêter et le faire tout de suite. Regardez, encore de la cire ultra puissante. Là, je crois qu'on a trouvé qui était notre méchant. Oh, le hurlement d'une créature furieuse, c'est jamais bon signe. Vite, activons notre jet boots. Non. Ça sert à rien, elles sont toutes engluées. L'invisimur va peut-être pouvoir nous aider. Beau travail, Lee. Ouais, mais on dirait que la créature a disparu. Il faut vite la retrouver. Avant, on doit trouver ce qui se passe ici. On va commencer par un petit test gustatif. Mais pourquoi il faut toujours que tu goûtes tout ce que tu trouves? C'est bien ce que je pensais, miel de grande qualité. Alors on a bien failli être transformé en brochette au miel. Oui, et si on ajoute à ça le dard géant et la cire ultra puissante, je dirais qu'il y a forcément un lien entre le laboratoire japonais et cette usine. Tu fais quoi là? Je regroupe les informations sur les victimes pour voir les similitudes. Intéressant. Chacun d'entre eux participe ou a participé à un projet de recherche sur les abeilles. Et seul un membre de ce projet n'a pas encore été attaqué. Le docteur Victoria Bisbiz. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Si c'est la prochaine sur la liste, il faut la prévenir. Non, pas si vite, Tony. Qui te dit qu'elle a pas un lien quelconque avec la créature? Le seul moyen pour le savoir, c'est d'aller chez elle pour lui parler. Oui, bon, mes jet boots sont collés, donc... Pas de panique, j'appelle Jerry pour qu'il nous envoie l'hélico. Hello, Spicehead, en quoi puis-je vous aider? Il nous faut un hélicoptère. Et tant que vous y êtes, envoyez-nous 4 nouvelles paires de jet boots. Les nôtres ont besoin d'être nettoyés. C'est comme si c'était fait. Oh là, pas si vite, mes petits espions. Je ne m'appelle pas Tata Trudy si je ne découvre pas ce que vous êtes en train de mijoter. Fermé. On devrait peut-être frapper, non? Les espions frappent pas aux portes, Tony. T'étais pas au courant. Attendez, j'ai une meilleure idée. Faites place au super découpeur WOOHP laser. Bingo, on y est. Hey, attends, Tony. C'est peut-être dangereux. Je préfère passer devant. Mais tu passes toujours devant. C'est peut-être la dernière tendance en matière de décoration d'intérieur, mais cet endroit me donne vraiment la chair de poule. Waouh, elle a mis au point une technologie très sophistiquée. Apparemment, le docteur Bisbiz a réussi à modifier intégralement son apparence. Voici une photo d'elle avant et voici une photo d'elle après transformation. Mais ça veut dire que c'est elle, notre créature. Ah, vous voulez sans doute dire le sauveur de la planète. Zah! Ah non, alors ça c'est pas juste, tes bottes toutes neuves. Vous êtes le docteur Bisbiz? Non, plus maintenant. Je suis devenu un être 100 fois plus noble qu'avant. Oui, parce que vous trouvez ça bien d'attaquer vos anciens collègues? Oh, ils le méritaient. Ils disaient que j'étais allé trop loin en voulant mélanger l'ADN des abeilles à celui des humains. Ils se sont tous ligués contre moi et ils m'ont empêché de continuer mes recherches. Pourquoi avoir continué quand même? Parce que les hommes sont en train de détruire notre si précieuse planète. Les abeilles construisent, produisent, et elles sont toutes très solidaires au sein de leur colonie. Nous allons sauver le monde de toutes les déviances de l'humanité. Nous? Une fois que j'aurai créé une armée d'abeilles humaines, nous transformerons le monde à notre image. Et bien sûr, je m'auto-proclamerai reine des abeilles. Eh ben, j'en ai entendu des méchants qui voulaient diriger le monde, mais alors celle-là, c'est la plus folle. Oui, eh bien, c'est ce qu'on verra. Ça venait à moi. Ah ah! Je savais savais bien que vous prépariez un mauvais coup. Tata Trudy? Eh oui, c'est moi. Attendez que je parle à vos parents de votre petit club d'espions. On va bien rigoler. Non, Tata, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Hey, c'est un très joli déguisement que vous avez là. Le vôtre est pas mal non plus. Malheureusement pour vous, j'ai toujours détesté être piqué en vif. Vous allez payer. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, la colonisation du monde n'attend pas. Au revoir. Marc, vois si tu peux nous sortir de là grâce au découpeur laser. Oh, mais c'est déjà prévu. Ouais, mais c'est peut-être pas une si bonne idée. Bon, essayons de régler nos jet boots à la puissance maximum. Lee, ralentis, tu pilotes comme un chauffard. Je vais dire à vos parents que vous pilotez des machines volantes surpuissantes et que vous vous servez de gadgets très bizarres. Tata, si tu ne t'étais pas tout de suite, je te préviens, je te mets dans la soute. Ou pire, on te donne en pâture à l'abeille géante. Je disais ça, je disais rien. En parlant d'abeilles géantes, les voilà. On va essayer de les intercepter. Zar, zar, zar. Attention. Oh, 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 doucement, ralentissez. Vous savez pourtant que j'ai le mal des transports, non? Accrochez-vous. Oh, c'est pas vrai! Faites quelque chose, au secours! Attention! Eh, pas mal pour un gamin! Mais si on pouvait mettre ces abeilles hors d'état de nuire, je serais un peu plus rassuré. Ce sera comme une tapette à mouche, sauf que là, les insectes sont un peu plus... Bon, d'accord, beaucoup plus gros! Je vais enfin pouvoir utiliser la brume aux fusées. Attention, prêt à vous faire enfumer? Je crois qu'elle est pas très contente, elle m'a lancé son regard d'abeille tueuse. Attention, accrochez-vous, ça va secouer. Madame l'abeille, si ça peut vous apaiser, eh bien j'ai l'intention de raconter tout à leurs parents. Je leur dirai tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je suis sûre qu'ils seront punis. Oui, tout comme vous. Une fois que j'aurai brisé ces deux crochets. Elle se balance trop haut, j'ai du mal à maîtriser l'hélico. Je sais pas si je vais pouvoir tenir encore longtemps. J'ai toujours rêvé de lancer une boule de neige en plein été. En même temps, ça c'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux bouts. Oh là là, je suis trop drôle moi. Allez, on rentre. Alors vraiment la nature, vraiment, et c'est couché de soleil. Quoi qu'il fait tard, bien tard, quand même, là, il fait jour. Enfin, c'est pas possible, où est-ce qu'elle est, ta sœur? Et puis surtout, où peuvent bien être les enfants? Vous voilà enfin, mais où étiez-vous passé? Oh, ça va vous sembler étrange, mais je me souviens de rire. Ah bon? Bon, allez hop, dans la cuisine, je vais vous préparer une de mes spécialités. J'arrive toujours pas à croire que Tata Trudy ait découvert notre secret. Moi non plus. À partir de maintenant, il va falloir se montrer beaucoup plus prudent. Oui, t'as compris, Megan? Mais il y a un point positif, Jerry a pu débarrasser toutes nos victimes de la cire ultra-puissante. Et il a enfermé Madame l'abeille dans la prison du WOOHP. Alors les enfants, est-ce que vous êtes tentés par un petit gâteau au miel?